Mesdames et messieurs, on va commencer avec un trio québécois. Leur chanson se retrouve présentement au numéro 2 des palmarès radioactivité, avec une phrase qui a été rendue célèbre par nul autre que Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby! Voici Collage! L'émission. Un cadeau pour moi déjà. Oui. Oh, ça débute bien. Oh, merci beaucoup. Hasta la vista. Non, je reste avec vous autres par contre. Je vais montrer le beau t-shirt là. Ah, oh, merci beaucoup. Ça va très bien pour vous. Ça va très bien. Je souligne que vous êtes numéro 2 sur le palmarès radioactivité ici au Québec. Mais c'est pas juste ça. Non. Pas juste ça. Ça va bien en Floride pour vous aussi. La chanson est en train de connaître énormément de succès au Mexique. Numéro 3. Au palmarès dance Latin chart. Ah oui. En Floride. En Floride. Puis au Mexique, ça va très, très bien également. C'est ça? On le souhaite. Ben oui, je pense que j'ai entendu dire ça, puis je le crois facilement. Cet album a réuni
plusieurs sortes de chansons. Il faut dire, Diodati, si je ne m'abuse, c'était vraiment toi qui as eu l'idée de reprendre des gros succès italiens. Ben, j'ai entendu dire que c'est... Oui, c'est, ben, c'est, l'idée est venue un peu de deux personnes, mais principalement, c'est ça. C'est des chansons que je connaissais et on a traduit ça en français. C'est des chansons italiennes même, que de l'Italie, j'allais dire, des États-Unis. De l'Italie. Il y a un groupe qui s'appelle Ricky et Poveri. Tu connais? Non, je ne connais pas, mais je... C'est un groupe qui était très, très populaire dans les années 70. Mm-hmm. Alors, on a pris leur Greatest Hits, comme on dit en français, puis on a fait des versions françaises. Là, ça devient les Greatest Hits de collage. De collage, c'est ça. Mais est-ce que vous avez envoyé les chansons pour qu'ils les écoutent? Est-ce qu'ils savent que ça existe maintenant en français, leurs chansons? Ils savent ça, je sais pas. Faudrait non? Quand ils vont recevoir les chèques les royautés. Oui, c'est ça, royautés, ils vont dire... Ils vont savoir. Mais vous avez des carrières fort intéressantes aussi, parce qu'il y a quand même des carrières indépendantes, à part le groupe collage, vous avez fait d'autres choses. Dati, toi, tu as travaillé avec d'autres personnes. Oui, c'est ça, en solo de... Je faisais du dance music en anglais, aussi en français. Et puis Francis, lui, c'était un misérable. Oui, un misérable. C'est ça que tu as une carrière. Des riches, hein? Une carrière en tant que comédien également. Oui, ben, j'ai fait surtout de la revue musicale, la comédie musicale. Puis je me rappelle, il y a en 82, j'ai participé à un concours amateur. Puis Hélène Dallaire faisait partie du concours. Elle dit oui. C'est vrai. Est-ce qu'elle était bonne? Oui, t'es bonne. Ah, OK, correct. On était en finale ensemble, je crois. C'est Marie-Denise qui avait gagné le concours. Ah, ben c'est le fun, c'est intéressant. Et puis, non, mais tu veux-tu continuer l'entrée? On fait un duo que je connais. C'est ça, une petite famille. Il y a Marc Langis avec qui j'ai déjà joué dans une revue musicale à Sainte-Adèle. En fait, j'ai fait surtout de la... Puis Lina, toi aussi, sûrement. Lina, toi aussi, tu as une... Choriste? Oui, j'étais choriste. Mais tu chantes également, tes influences sont intéressantes, Lina. Toi, tu chantes aussi du gospel. Oui, hein? Oui. Chanter du soul. C'est le genre du Megadeth. Elle m'a dit rien à faire, on chante pas du... C'est quoi tes influences, Lina? Mes influences? Abba. Oui? Abba. The Eagles. Oui, Les années 70, alors. Mais la rencontre entre vous trois, c'est faite comment? Ça s'est fait à travers d'autres artistes. Ah oui? Entre autres, Chantal Condor, je pense. Chantal qui n'est plus avec la formation, mais elle a enregistré l'album avec vous autres quand même. Oui, parce que là, elle continue sa carrière solo et puis là, elle cherche aux États-Unis et tout ça. Elle est en train de négocier un contrat de disque. Et puis, Lina, c'était le président de disque de Lisba. Ça, c'est une histoire. C'est une autre histoire quand tu vas avoir un auteur pour nous. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on met l'histoire. Mais la rencontre, tout de suite, ça a cliqué tout de suite parce que c'est beau et bien de pouvoir chanter seul, mais de chanter ensemble, c'est pas la même chose. Il y a quand même d'autres personnes que j'ai essayé avant dans le groupe. Ah bon? Avant que j'ai trouvé ces deux-là. Mm-hmm. Mais finalement, j'ai eu des... c'est ça. Mais il y a une tournée, là, là, vous êtes en train de faire des spectacles un petit peu partout, si je ne l'abuse, c'est ça? Oui. Bien, partout, on a commencé la tournée depuis déjà un mois, un bon mois et demi, à travers le Québec. Ça va bien? Le monde... J'ai entendu dire aussi que, tu sais, les clubs mettent partout, commencent vraiment à jouer la chanson, c'est devenu comme l'hymne national un peu pour eux autres aussi. Oui, ça va être l'hymne national du Québec. Je ne sais pas, peut-être l'hymne national. J'ai une amie qui était au Mexique, et elle a dit que dans certains clubs, elle a dit « j'entends la toune tout le temps ». C'est extraordinaire comme assez. J'étais au forum lundi, puis j'ai entendu. Ah, ben ça, c'est quelque chose. Est-ce que vous allez quand même aller en Floride pour faire de la promotion à l'extérieur? Si vous allez au Mexique, est-ce que c'est des projets... Alors, vous allez revenir nous dire comment ça a été. Oui. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Vous allez revenir, Que tu montes l'album? Ah oui, que tu montes. Comme ça? Comme ça, c'est ça. Parce que Chantal ne fait plus partie du groupe. C'est ça, je l'ai bien fait. Restez avec nous, on vous revient après cette courte pause, mesdames et messieurs, avec nul autre que Rock Voisine en direct de C'est quoi FM. Ne bougez pas.